Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, vidéo des 8000 abonnés, je tenais à vous remercier de me suivre, pour certaines de partager mes vidéos, de faire vivre la chaîne, de la commenter. Donc, merci, c'est grâce à vous. Et voilà, ça me pousse aussi à investir un peu et vous apporter autre chose. Donc là, on va faire une chasse à la palombe, donc essentiellement en posée, à part s'il m'en passe une, bon, j'allais moins au vol. J'ai vu qu'il y avait un passage pour entrer dans le bois là où il y a le jouquet, donc si j'entends se poser, j'irai. Mais on va se faire une petite chasse ici, assez dégagée, puisque j'ai investi dans du matos. Alors déjà le fusil. Voilà, ça sera le fusil un peu stress test. Le Baïkal MP153, je vous le présente plus. Chambré 1289, canon 71. Donc version bois, tout ce qui est de plus standard. J'ai posé une petite fibre optique, puisque comme je suis daltonien, le rouge je ne le vois pas. Donc vert. Je me suis commandé, j'ai reçu sur Natura Buy, un Pattermaster. Black Duck, donc qui correspond, en fait j'ai mesuré, il correspond à un demi-choc, donc après apparemment c'est optimisé pour les grosses charges, et comme je vais tirer essentiellement de la grosse charge avec, ben, je pense que ça sera pas mal. En fin de saison, quand ça sera plus calme, je vous ferai donner du ciblage et on verra par rapport au chocage d'origine ce que ça donne. Ensuite, donc comme vous voyez, j'ai même peine. Hop, j'ai investi dans un jouquet qu'on va monter tout de suite puisque le jour va se lever. On va lever les gants. Et là je pense que le coin est pas mal. Si je mets mes formes là dans le plat, ça peut être pas mal. Hop là. Allez, donc première fois que je l'installe. Quoi depuis derrière, c'est pas mal, ça c'est bon, ça tient. Le fusil, on va l'appuyer là devant, tac. Ensuite le siège. La bonne hauteur, c'est bon, impeccable. Alors maintenant les formes en plastique. Alors j'ai mes demi-coques, ça c'est un nouveau appôt que j'ai avec des ailes, voilà, des piliers. J'ai un piqué, ça c'est une vieille forme, ma forme de croque pour les rassurer, des piquets. Une vieille forme, tac, une forme encore avec des ailes en polystyrène qu'on clipe dedans, et j'ai même une palombe, enfin une forme avec un machin qui marche avec le vent. Mais bon, le machin qui marche avec le vent, on va pas le mettre. Et le truc le plus important, c'est ça, la nouveauté pour moi cette année, on va essayer. Chaussettes 3D,
Donc on va essayer d'en mettre. Voir la gueule que ça donne sur les vieux appos. Après, une fois qu'elles seront mises, je les enlèverai plus. Après, à savoir que c'est lavable. Ces chaussettes-là. Chaussette 3D, donc d'une forme toute blanche, qui est vilaine, fade et dépassée. Voilà, là l'illusion elle est parfaite, bien étendue. Franchement, si tu as inventé ça, c'est pas la moitié d'un con. C'est là qui est vilaine. Bon, c'est la forme en elle-même. Petite photo.
Oh, mais voilà, l'installation a été un peu longue, mais l'illusion est parfaite. Bon, ce petit reproche, je trouve que ça c'est un peu blanc. Autant l'extérieur il est bien, ça aurait mérité qu'il fasse le traitement sur les deux côtés. Mais bon, vu le prix que ça vaut, 49 balles le machin avec les piquets, c'est pas mal, franchement, c'est réglable. Il faut espérer qu'il arrive des ballons. Bon, là avec le brouillard ça va être un peu tendu. Mais sait-on jamais. Bon, l'installation, ouais, elle est un peu longue, le temps de mettre les chaussettes sur les formes, les positionner, bon. Mais bon, maintenant que c'est fait, ça sera plus à faire. Je pense que l'ensemble, ça donne un beau rendu. Bon, je sais pas si à la caméra ça se voit bien. Mais ça fait vraiment réaliste. Donc j'en ai 2, 4, 6, 8, 8 formes, une de corbeau. C'est pas mal. J'entends pas de grive. Au cas où j'ai prévu le casse-croûte, si ça décide de vouloir rigoler. Je termine ma cigarette et puis je vais vous parler d'une cartouche. Et d'une marque. Tant que ça bouge pas trop, il y a du brouillard. On va pouvoir se permettre de faire un petit vlogging. La vidéo, je pense qu'elle va durer peut-être 40 minutes. Donc voilà, donc pour ceux qui me suivent sur les réseaux, surtout sur Insta, donc vous avez le lien dans la description de mes réseaux. Donc si vous passez via la page Facebook, donc j'essaie de répondre assez rapidement aux messages privés d'aider les gens. Donc je vous remercie pour vos retours. Ça marche plutôt bien donc vous avez aussi accès au groupe Facebook La Cabane des Chasseurs. Donc je remercie ceux qui participent activement à faire vivre ce groupe, donc merci à eux, ils se reconnaîtront. Donc après Twitter, ça j'ai abandonné, il n'y a personne là dessus et Instagram, pourquoi Insta, parce que c'est beaucoup plus rapide pour publier des photos. Et pour ceux qui me suivent dessus, ben actuellement je fais deux projets. Donc j'ai un Juxta espagnol où il n'y avait pas grand chose à faire dessus, ne serait-ce l'extérieur des canons et les bois. Donc je fais voir toutes les étapes, donc le polissage de la bascule, les bois, voilà, petit à petit. Chaque étape est notée. Et l'autre c'est un Juxta artisanal, donc signé de Bordeaux, donc à platine et à chien extérieur, donc calibre 12. Et ça, pareil, c'est un petit projet perso. Donc là par contre ça serait une customisation où je vais me le mettre au goût du jour. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me suivre dessus, puisque c'est là où je poste énormément de choses rapidement. Et puis voilà, et puis encore merci pour ceux qui sont sur ma chaîne, ceux qui arrivent et qui viennent m'insulter. Du sucre dessus ou voir m'insulter, bon ben ça dégage direct, de toute façon je suis pas à ça près. Donc voilà, après je fais à peu près ce que je veux, quand je veux et quand je peux. À peu près là en vidéo j'ai en publication un mois de retard. Voilà. Donc
pas du matériel de fou. J'ai toujours ma vieille petite caméra qui est un peu un PLS. Le boîtier est fissuré, mais bon, elle continue à fonctionner vaillamment. Donc, peut-être pour Noël, je vais essayer quand même. Je vais voir si je peux. Si les finances me permettent d'augmenter un peu le niveau des vidéos, ne serait-ce en passant déjà par une véritable GoPro. Peut-être aussi un stick stabilisateur. Ça, quand je fais des présentations d'armes ou des trucs comme ça, ça peut être vraiment sympa. Mais... c'est que ça va assez vite. Alors bon, je vais voir. Si je peux, je le ferai. Ça sera avec un grand plaisir pour vous améliorer le contenu vidéo et surtout vous apporter une qualité, que ça soit graphique, sonore, ou de stabilisation d'image, donc ça serait vraiment top pour vous et pour moi ça me facilitera la vie. Parce qu'en termes de montage, des fois j'essaie de rattraper les plus gros tremblements, donc ça demande un peu de temps, c'est un peu long. Mais, mais voilà, si on peut le faire, eh bien, je le ferai avec plaisir. Et si je peux pas, mais ça sera reporté, et puis voilà. Mais bon, j'en suis un peu là, actuellement. Donc après, ce Baïkal, comment je l'ai eu, en fait, c'est un... c'est-à-dire, c'est, entre parenthèses, un abonné, client du magasin, qui m'avait donné une 22 ans, une Anchou, que j'ai refaite. Donc, j'en avais pas trop utilisé. Et ce qu'il y a, c'est que... je voulais quelque chose pour tirer opposé un palombière quand je suis invité, ou tirer opposé voilà, quand je suis au jouquet, entre parenthèses. Je vais me tenir le fusil parce que ma forme de corbeau elle a l'air d'attirer tous les corbeaux, même les palombiers. Et donc, ben voilà, la ballon, tourterelle. Tourterelle, je crois que je l'ai eu. Le sang me fait chier un peu. Très bien pour porter l'arme, par contre. Hop. Je crois que je l'ai vu tomber par là. Par contre, la douille, ça qui m'emmerde avec les semis au dos. L'autre, c'est bien chambré? Ouais. Donc déjà, il s'enraye pas. Je vais aller voir ça. Parce que c'était une tourterelle ou un pigeon? Je sais pas si c'est tombé. Et de quel côté ? En tout cas, c'est pas tombé là. Je l'avais blessé.
ça pète fort avec le... Comment ça s'appelle? Le trou des vents. Donc elle est tombée. Il est tombé là. C'est un petit rouquet. Pigeon colombien. Je l'avais bien blessé. Bon, maintenant on aura fait déjà quelque chose. Que je vois, il va y avoir des cassines ici à force. Il a pris deux dérouillés. J'avais retrouvé les douilles à force. Il marche bien le 2 à 32 secondes de fusil. Je vais remettre le 2 à 32. Attends. Que le brouillard se lève. Quand on les prend correctement, ça tombe. De paloma. Mes conclusions de cette vidéo, donc encore une fois merci de me suivre. Bon, mais le Baïkal il marche bien, il faut juste que j'apprenne à maîtriser les distances de tir, puisque ce choc en réel c'est un demi-choc. Bon, après avec un demi-choc on commence quand même à faire du travail. Donc voilà, si ça marche bien quand on est dedans, si on est à côté, ben, on loupe comme tout le reste. Donc c'est pas la cartouche, c'est pas le fusil, c'est le bonhomme. Donc voilà, donc sur ce je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.